Alors, on fait notre cinéma suite. Ouais. Suite. Là, on va leur parler, si tu veux bien, de la partie point d'acupuncture. Alors évidemment, on dirait, je suis pas acupuncteur. Oui, c'est vrai que je suis pas acupuncteur. Mais ce sont des points d'énergie, comme les chakras. Et donc, on peut avoir l'intention de les équilibrer. Alors moi, je travaille de deux façons pour les points d'acupuncture. Dans cette séquence-là, j'ai un papier qui s'appelle fréquence du corps humain en mégahertz. Ok ? Quand je demande si quelque chose est à remettre à la norme dans ce document, parce que tout le temps, tu sais, le pendule dit oui. Bon. Alors, avant, je cherchais quel était en pendulant, quel était l'organe qui semblait défectueux ou dont la fréquence en mégahertz n'était pas au bon niveau vibratoire. Okay? Quand je l'ai trouvé, je demandais à rehausser cet organe. Mais je disais aussi, je demande de rehausser à la bonne fréquence de fonctionnement en mégahertz tous les organes de cette personne. Tu comprends? Et à ce moment-là, quand je reviens après, je demande, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas à sa place, à la bonne fréquence? Eh bien, c'est toujours non. C'est-à-dire qu'il suffit de demander, avec son pendule, à remettre sur le témoin, et on laisse tourner le pendule, je demande à remettre tous les organes de la personne à la bonne fréquence de fonctionnement en mégahertz, la bonne fréquence de fonctionnement. Quand le pendule s'arrête, il semblerait que la fréquence soit remise à niveau sur les organes. Et quand vous demandez à nouveau à votre pendule, est-ce qu'il y a encore quelque chose à traiter sur les organes, sur cette feuille, c'est non. C'est non parce que tout est revenu à la bonne fréquence en mégahertz. Ok ? Donc je profite de mettre ça dans la séquence point d'acupuncture. Après, je fais la séquence vraiment point d'acupuncture elle-même. Je demande sur cette feuille, tu vois, ouais, qui montre en fait tous les points d'acupuncture. J'ai mis le méridien poumon, gros intestin, estomac, rate, pancréas, le méridien cœur, intestin grêle, vessie, rein, maître du cœur, triple réchauffeur, vésicule biliaire, foie, le vaisseau conception, le vaisseau gouverneur, les points mu, les points chu. Et bien tout ça, je pendule avec mon pendule, tiens, j'ai pas le même pendule, c'est pas grave. Je pendule comme ça, et à un moment, le pendule va me faire une directionnelle. Et quand il est sur une direction, je dis, tiens, c'est l'11. Qu'est-ce que c'est l'11? Vésicule biliaire. Donc, tu vois, ça m'a donné une direction. On peut le faire, hein, toi aussi, si tu veux. Et après, donc, mes pages d'explication sont numérotées, et je prends M11, il va... M11, méridien vésicule biliaire, tu vois? Ok? Méridien vésicule biliaire, j'ai trouvé ça sur internet, vous aussi vous pouvez le trouver. Hein? C'est dessiné, et vous avez tous les points d'acupuncture depuis le premier, VB1, là, près de l'œil, hein? Le tour de l'oreille, c'est très bien fait, on prend la suite après sur le corps en entier, jusqu'au VB44. Un des doigts de pied. Et je demande, en mettant mon pendule là-dessus, la main, si tu verras, je te montrerai, on montrera celui-là, la main sur le témoin de la personne, et je demande qu'on veuille bien équilibrer l'univers, hein, ou être en guide, je ne sais pas comment tu peux faire, toi, mais c'est personnel. On demande à ce que tous les points d'énergie de ce méridien soient remis à la norme de fonctionnement. Hein, qu'il soit parfaitement équilibré, comme on équilibrerait les chakras. D'accord? Et comme on en profite d'être là, sur ce méridien, sur ce méridien-là, on demande aussi de bien vouloir remettre les énergies de tous les points d'acupuncture, de tous les méridiens qui seraient dans la nécessité d'être remontés. Tu comprends? Hein, remonter en énergie. Voilà. Et puis alors, surtout, ce qu'il faut lire, c'est ça. Tu vois, derrière, j'ai mis des explications que j'ai trouvées sur Internet, hein, où ils vous disent, par exemple, le méridien de la vésicule biliaire, c'est quoi? C'est un élément bois
tu vois, énergie yang. La régulation, c'est répartir les éléments nutritifs et régularise l'équilibre énergétique dans tout le corps. C'est bien de lire le texte avant de commencer à penduler. Parce que comme ça, on a vraiment l'intention de faire ce qui est écrit. On sait que ça va se faire puisque c'est le méridien qui est concerné. Mais c'est bien de le lire. Vois-tu que c'est tout ça? Bien. Alors, on va vous montrer exactement. Donc, je vous disais, on reprend notre amie Marie Kuoam pour l'exemple. On pose son témoin sur le biogénérateur de Serge Fitz. C'est parce que c'est comme ça que je travaille tout le temps. Le témoin toujours là. Et puis, j'ai la BAC. Et je demande ici, vous voyez, est-ce qu'il y a quelque chose à traiter sur les organes de Marie Kuoam? Et apparemment, le pendule tourne en oui. Ok? Bien. Alors, je dis, est-ce que son corps humain est en état de santé normal? Est-ce qu'il est au-dessus de 68? Au-dessus de 69? Non. En fait, ici, c'est pas 68, c'est 72. Entre 68 et 72, c'est bien, quoi. Donc, elle est un peu basse. Alors, je vais dire ceci. Je vais dire, je demande, donc je me mets sur le témoin, je demande de bien vouloir remonter tous les organes de Marie Kuoam, tous les organes du corps de Marie, et de les ramener à la bonne fonction en mégahertz, parce que sur cette feuille c'est en mégahertz, de les ramener au fonctionnement parfait en mégahertz, dans tout son corps. Et on attend que le pendule s'arrête, ok? Donc, vous savez qu'on dit, pour Marie Kuoam, née le 22 septembre 43 à Nourek, et on dit le code 7558698. Jusqu'à ce que ça s'arrête. Maintenant, je vais dire, est-ce que tous ces organes sont à la bonne fréquence en mégahertz? C'est oui. Et maintenant, regardez bien. Si je dis, est-ce qu'il y a encore quelque chose à traiter ici? C'est non. T'as vu? C'est immédiat. Comme on a demandé à le traiter et à le remonter, ça a été remonté. Et quand on dit, est-ce qu'il y a encore quelque chose à traiter? C'est non, c'est fait. Étrange. On peut faire un moyen pour trouver. Oui, enfin moi je suis arrivé par mes recherches comme ça. Il y a peut-être d'autres moyens pour y arriver. Mais il suffit qu'une fois que tu as demandé à ce que tous les organes soient à la bonne fréquence en mégahertz et que ton pendule s'est arrêté, quand tu reviens, tu dis, est-ce que maintenant il y a encore quelque chose à traiter? Et le pendule dit non. Mais sinon on peut dire tous les noms. On peut le dire un par un, oui, on peut le dire, maintenant je le fais plus moi, mais on peut les chercher un par un, on lui dit, dis-moi quel est l'organe qui est à traiter, il va faire une directionnelle et il va s'arrêter par exemple là, à l'estomac, et à combien il est. Mais c'est plus utile une fois qu'on l'a fait, quoi. Hein? Tu vois? Normalement, l'estomac devrait être entre 58 et 65, s'il est trop bas, eh bien, on demande à le remonter à 65. Et quand on a fini de faire tourner son pendule, tu peux être sûr qu'il est à 65. Mais là, si tu généralises, ça marche exactement de la même façon. Donc, ça, je l'ai inclus dans la séquence des points d'acupuncture. Okay. Et après, je prends cette feuille des points d'acupuncture, comme je vous le disais tout à l'heure, et je fais une directionnelle. Je dis d'abord, y a-t-il un méridien à traiter? Il y a toujours un méridien à traiter. Je crois qu'une fois, il m'est arrivé de ne pas en avoir à traiter. Donc, il y a toujours un méridien à traiter. Donc, quel est le méridien à traiter pour Marie Kuoam? Et tu vois que tu fais ce qu'on appelle une syntonisation, et tu laisses ton pendule te diriger. Il va faire une directionnelle. Une fois seulement. Tu vois? Oui. Bon. Le méridien vésicule biliaire, c'est le 11, ok? Parce que mes pages sont numérotées, oui, ça doit être celui-là qu'il faut traiter. Donc en fait, 11, méridien vésicule biliaire, je prends mon cahier, ici, je vais sur la page 11
du méridien vésicule biliaire, triple réchauffeur. Voilà. Je prends ici le méridien vésicule biliaire. Ok. Je ne sais pas si on le voit bien sur le. Oui, vas-y. Ok, voilà. Ok. Non, c'est pas important. En fait, j'ai mis les pages derrière. Donc, ce qui est bien de lire, c'est le méridien de la vésicule biliaire. C'est bien de se le mettre en tête, hein, qui répartit les éléments nutritifs, comme je vous disais tout à l'heure, régularise l'équilibre. On le lit, hein, son état psychique, c'est la colère et la susceptibilité. La force, c'est sa compatibilité, la fiabilité. La faiblesse, susceptibilité et jugement. Donc c'est bien de le lire et de revenir là, au point d'acupuncture. Et je dis donc, alors évidemment là je ne suis pas très bien placé pour vous le montrer, mais on fait comme ça, hein. Je dis donc, normalement je le mets à droite, hein. Je mets la main là-dessus et je dis, je demande à équilibrer, et on suit depuis le point numéro 1, hein, VB1, à équilibrer tous les points d'acupuncture sur le méridien vésicule biliaire de Marie Thuram. Vous voyez ? On fait ça comme ça, simplement une fois, deux fois, peu importe. Et après, on vient ici et on dit, je demande à équilibrer tous les points d'acupuncture, hein, de remettre à la norme de fonctionnement toutes les énergies sur ce méridien, bien sûr, mais de remettre aussi à la bonne énergie tous les points d'acupuncture de tous les méridiens qui seront utiles de remettre en bonne énergie. Et on laisse tourner le pendule, comme tout à l'heure, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Ok ? Et quand le pendule s'arrête, à ce moment-là, on peut fermer son petit classeur et on revient ici prendre le taux vibratoire. Et le taux vibratoire a forcément augmenté. Regarde, c'est ce que je te montrais tout à l'heure. Hein ? Tu vois ? Donc on vient de faire le biogénérateur de Serge Fitz tout à l'heure, hein, sur l'autre film. Et là on s'aperçoit que si on traite les points d'acupuncture, donc je vous rappelle, je remets à la bonne fréquence en mégahertz les organes, et je demande à remettre en énergie les points d'acupuncture défaillants, sur peut-être un méridien ou l'autre, et bien aussitôt il y a une augmentation du taux vibratoire. C'est le résultat que l'on découvre lors de la mesure du taux vibratoire après avoir fait le nécessaire sur le point d'acupuncture. Ça augmente, hein, en moyenne 31% pour les gens en deuxième séance, 15% pour les gens en première séance. Bah, c'est bien. Hein, tu vois ? Ouais. Pour moi, la première séance aurait dû augmenter. Ben, ça a augmenté, mais moins fort. Mais après, à la deuxième séance, c'est toujours plus fort, les résultats. Les chiffres sont beaucoup plus forts. Voilà, voilà. Tu vois ? Tu peux le faire sur toi-même, hein ? Tu peux le faire sur toi-même. C'est une question d'intention. Hein ? Par exemple, si tu fais juste un petit intermède comme ça, pour te montrer. Voilà, voilà. C'est ici. Pour ce qui est de l'acide urique, par exemple, pour n'importe quelle personne. Tu connais cet tabac ? Je crois que je l'ai envoyé à ta maman. Non. Non ? Eh bien, regarde. Si tu... L'acide urique, donc il semblerait que pour un homme, ce soit entre 40 et 60 mg par litre, tu vois, c'est ici, hein ? 40 et 60, je l'ai mis en bleu. Pour les dames, entre 30 et 50, je l'ai mis en rose. Et pour les enfants, en vert. Entre 25 à 40 mg par litre. Eh bien, si tu trouves que tu as de l'acide urique en trop, quelque part, tu dis, il faut qu'il soit plus bas que la cote maximum. Si tu as un enfant, ça doit être en dessous de 40, une dame en dessous de 50, un garçon en dessous de 60. Un monsieur, pardon. Eh bien, si tu dis, cette séquence numérique ici, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 5, tu le dis juste le temps que le pendule s'arrête, ou même pas, si tu n'as pas de pendule, tu le dis simplement. Tu as l'intention de faire baisser ton taux vibratoire. Mais c'est quoi de l'acide urique ? Bien, de l'acide urique, ça, ce sont des acides qui te font très mal aux articulations, entre autres choses, et ça,
si tu veux, moi par exemple, je ne peux pas manger de charcuterie, ça me fait monter mon taux d'acide urique et ça me fait mal aux articulations. C'est ce qu'on appelle la goutte en général. Tu n'as pas entendu parler ? Non. La goutte ? Eh bien, j'espère que tu n'en auras jamais, ça fait mal. Et en fait, il faut que l'acide urique soit dans la norme. Et si tu dis la séquence numérique de Grabovoi, tu mets en vibration le code de la séquence d'acide urique en bon fonctionnement. Et dans ce cas-là, ton acide urique va baisser, mais c'est presque instantané. Hein. Il se passe une, deux minutes, et puis hop, tu le mesures et il a baissé. Okay. Étrange, n'est-ce pas ? Ouais. Étrange. Voilà.